Salut tout le monde, c'est Faredge et bienvenue pour ce huitième et dernier épisode de ce Let's Play sur Halo 4. Donc pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, vous voyez que je commence en suivant la fin du dernier épisode, c'est normal hein, parce qu'en fait j'ai tourné l'épisode précédent et cet épisode à la suite. Donc souvenez-vous, hein, on s'était laissé juste après que le Didacte ait récupéré le recomposeur sur la station humaine juste à côté du troisième Halo, et qu'il n'ait pas, bien sûr, recomposé tout le monde, sauf le Master Chief qui, bien sûr, pardon, qui bien sûr est devenu résistant au recomposeur grâce au gène que lui a légué, si je peux dire ça comme ça, la bibliothécaire. Et maintenant, bah, il va s'agir de partir à la recherche en fait du Didacte et l'empêcher d'arriver tout simplement d'arriver sur Terre et de recomposer toute l'humanité. Donc je vous laisse admirer la cinématique et on se retrouve juste après. Distance au vaisseau du Didacte, 200 km. Écoutez la petite musique limite tragique. Une fois qu'on sera à bord, on Ça trouvera donne le vraiment un pont. petit côté tragique à la scène. Il se déplace à nouveau. Les boucliers du chasseur ne sont pas faits pour le sous-espace. Non, mais ceux du Didacte le sont. Bon, bah visiblement, on va se retrouver sur Terre. Hein. Oula! L'intégrité de la coque du Dernière projecteur chance. Allez, séquence pilotage. Donc là, on tire. Là, on tire des missiles. Là, on tourne, d'accord. On descend comme ça. Je devrais pouvoir nous y guider. Et là, on accélère. Bon, bah c'est parfait. Ah, boost à 100%. Ah oui, d'accord, c'est... d'accord. Vous n'avez pas été recomposé. Ah! Cela est absolument impossible. Bon, bah voilà. Premier fail de cet épisode. Hein. Visiblement, il faut peut-être pas que vous allez pouvoir admirer mes talents de pilote, mais là vous allez plutôt admirer mes talents de suicide. Donc je vais essayer de faire un peu plus attention et de moins user de la gâchette pour actionner le turbo. Vous n'avez pas été recomposé. En théorie, cela est absolument pas possible. En théorie, mais comme tu le vois, je n'ai pas été recomposé. Je passe, ouais. Wow! Oh! Hop, voilà. Oh, ça fait bizarre de se dire que c'est le dernier épisode de ce Let's Play. Quoi? Bon, d'accord. Deuxième fail. Allez, le but, ça va être d'arriver à la fin de ce parcours en moins de 10 fails. Ça vous va? On va essayer de se fixer cet objectif. Ça en fait déjà deux, il en reste une. Donc, ouais, je disais, ça fait bizarre de se dire que c'est le dernier épisode de ce Let's Play, quand même. Je devrais pouvoir nous y guider. Donc, n'oubliez pas, hein, pour ceux qui ont pas regardé ma vidéo précédente, demain, je posterai une vidéo annonce qui vous est directement décernée, où je vous ferai un petit bilan des Let's Play que j'ai fait, de l'avenir de la chaîne, et où je dévoilerai probablement le prochain jeu que je traiterai pour un Let's Play. Donc, je la mettrai demain dans la journée, hein, la vidéo, je ne sais pas encore exactement quand. Mais donc, ne loupez pas cette vidéo si vous voulez être informé
de la suite en fait. Et pareil, n'hésitez pas à visiter ma chaîne Facebook, enfin la page Facebook de la chaîne, si vous voulez avoir des infos sur je vais y arriver, des infos sur l'avenir, sur le programme, des vidéos, sur les éventuels problèmes que je peux rencontrer, les retards qu'il peut y avoir. Je vous tiens informé de tout ça sur la page Facebook. Regardez, je viens d'arriver sur Terre. Je peux pas trop vous montrer et piloter en même temps, mais vous avez pu apercevoir la Terre là-haut. Regardez là-haut. L'Infinity a dû les prévenir. Il y aura 1-7 à ULSC Infinity. Capitaine Del Rio, vous me recevez? Zelensky, c'est vous? Affirmatif, chef. Où est le capitaine? Vidcon n'a pas apprécié qu'il vous abandonne sur Requiem. Vous allez devoir me supporter. Ah, vous avez entendu? Apparemment, l'état-major a relevé de ses fonctions le commandant Del Rio. Parce qu'ils n'ont pas supporté qu'il nous abandonne sur Requiem. Et maintenant, c'est Lasky qui est devenu le commandant officiel de l'Infinity. Ah, c'est pas mal ça, bien fait, ça lui apprendra. Wow, wow, oh, quel talent de pilote, je m'impressionne moi. Comment ça se complique un peu par là, hein. Allez, accélérons un peu, on va passer par là. Ça a l'air plus sûr, j'espère. C'est pas évident avec le boost activé d'avancer comme ça, mais je trouve ça beaucoup plus classe d'avancer avec cette vitesse là, ça fait vraiment vite, dépêchez-vous, sinon on va tous crever. J'aime beaucoup l'interception, mais à ce rythme, le vaisseau du Didac atteindra notre masse dans 2 minutes. Oh, commandant, oh, tous les vaisseaux sont le recomposant. Fou, fou. Heureusement que j'ai de bons réflexes. Hein. Oh là là, wow, wow. Hop, peut-être ralentir un peu là. C'était limite, heureusement que j'ai ralenti, sinon je me prenais les rayons. Ah. Les lignes à accélération magnétique sont inefficaces. Le vaisseau approche. Oh. Whoop. 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 Ils aiment bien nous faire slalomer, hein, cette mission. Whoop là. Infinity à Fitcom. Le groupe arrive sur le vaisseau du Didact. Oui, oui, on y va sur le vaisseau du Didact. Capitaine Lasky, autorisation d'attaquer. Whoop. Oh, 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 oh. Ah non, dommage. Ah, c'était bien joué jusqu'à présent. Ah, dégoûté. Bon, il me reste encore 7 chances. Capitaine Lasky, autorisation d'attaquer. Allez, on continue. Hop, hop, hop. Wow, 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 wow. Ah, ah. Ah, je suis passé. Ah, ah, regardez, ça doit être là-bas que je dois me rendre. Allez, allez. Oh, 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 oh. C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire? Non, attendez. D'accord, faut tirer au milieu. Allez, on tire. Ça doit être là. Ah, il y a un petit bug là, heureusement. Ça. Regardez la Terre comme c'est magnifique. On va s'en occuper. Alors je dois détruire quoi? Neutraliser ça. Dégage quoi. Voilà. Est-ce que tirer d'ici un petit missile? Comme vous voyez, ça fonctionne. Nettoyez l'approche et on arrivera assez près pour pouvoir percer un trou dans cette planche. Ouais. Deux canons neutralisés. Ah d'accord, c'est des canons qui visent l'Infinity, ok. D'accord, c'est des défenses anti-aériennes, j'avais pas fait gaffe. Hop, allez. Merci Cortana. Armement, je veux une solution. Je l'ai pas détruit celui-là. Nous avons promis au major de le faire entrer et je vais pas le laisser tomber. Ah non, mais c'est l'Infinity ça. Il est là-bas le canon, n'importe quoi. Pourquoi ils me l'ont pas indiqué ce canon? Putain, cette séquence de pilotage, j'adore. Dommage, elle est un peu courte parce que j'imagine qu'après ça, il y aura pas un canon détruit. Ah, elle était excellente, mais un peu courte. Vous pouvez approcher. Merci, Major. Vous devriez reculer un peu. Batterie principale, feu! Ouais.
pas fait grand-chose. Joli tir. Nous procédons à la pénétration. Bien reçu. Sachez qu'on sera à la station. Transmettez mes salutations au didacte. Affinity terminé. Ça, j'aurais peut-être pas été capable de le faire moi-même. Je sens que ça va mal se terminer. On fait quoi maintenant? C'est mauvais signe. Ça veut dire quoi? Qu'on va se faire sauter avec le didacte? Plan B. J'aime bien comme il dit ça. Plan B. Alors j'ai quoi ça et une décline. Ok. À la fin. Allez, c'est parti. Alors, je sais que je devrais savoir quoi faire, mais. On va devoir placer le gif nous-mêmes. Où et comment? Je sais toujours quoi faire. Je sais toujours quoi faire. Continuez à chercher le recomposeur, on trouvera une solution en route. Quoi? Hein? Il y avait un bouclier là, ah voilà. Oh le bruit, c'est bon. Et voilà. Éradicateur. Bah, j'imagine que sur le vaisseau du didacte, je vais pas trouver de munitions de Gatling. Donc autant prendre l'éradicateur dès maintenant. Par là. Bien. Puisque la raison ne vous arrête pas, peut-être que la force, elle, vous ralentira. La raison, tu parles de raison. Toi, tu veux détruire l'humanité, tu me dis être raisonnable. C'est bizarre, lui. Ah, ah ouais, ça je veux bien. Non, ah, rien n'apparaît. Okay. Non, 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 j'ai dit, ah, rien n'apparaît. Ah, c'est pas. Non, si. Ils sont vraiment cheatés, ces petites sentinelles. J'imagine pas en légendaire que ça doit donner. Allez, dégage. Pas des munitions là. Non. Bon, alors s'il n'y a pas de munitions, quoi. Ah, d'accord, c'est en dessous que je dois aller. Ok. Ouais, pourquoi je m'en fais? Allez. Tiens. Dégage. Excusez-moi. Ah. Ah, je l'ai vu. Où elle est? Voilà. Ah ouais, tu vas me tirer dessus, toi. Tiens, prends ça. Et des munitions au passage. Pour ça. Voilà. J'ai dit, j'ai plus de munitions. Je veux pas que je saute. Le courant ralentira votre chute. D'accord. Je vous quitterai pas, je vous le promets. Je me débrouille encore pas trop. J'ai détecté une signature d'énergie. C'est un système de transit, comme sur Ekuda. Trouvez un moyen d'y entrer. Je dois trouver le recomposeur. Insérez-moi dans le système. D'accord, Cortana. Ne déconne pas, hein. Quel est donc votre secret? Une coéquipière évolue. Le didacte sait que nous sommes dans le système. Oui, je sais qu'il sait, il vient de me parler, le didacte. Je
Ouah, j'ai des munitions de train. Pourquoi elle n'attaque pas ses sentinelles humain. Et pourtant, elle arrive à m'éviter. C'est trop dur. Si on récapitule ces trucs, ça peut invoquer des tourelles, ça peut ressusciter les morts, ça peut invoquer des petits prométhéens, ça peut rattraper et renvoyer mes grenades, et ça peut poser des boucliers pour protéger les ennemis. Non mais c'est vraiment... Elles sont vraiment cheatées ces sentinelles, c'est vraiment horrible. Bon, excusez-moi, moi je fais que passer, vous occupez pas de moi, allez. Non. Oh non, c'est dégueulasse, j'étais dans le... Putain, j'étais dans le portail. Ah, oh, décidément, je déteste ces Prométhées, hein. c'est définitif. Hein. Allez, cours. C'est trop dur. J'ouvre un autre portail. Ah. Ah, toi, tiens. Alors, toi, je t'aurai. Tire. Jules. Cours. Ouais. Ouf. Désolé. Oh. Je ne contrôle pas les processeurs. Un marteau anti-gravité. Des ordres prioritaires. Ouais. Toujours le dessus sur moi. Un fusil Covenant. Un lance-grenade. Je peux plus me cacher. Oui, finalement, il y avait des munitions pour le petit combat. Je vais essayer de vous amener au recomposeur. Bon. Des grenades, ouais. Et des munitions pour les armes prométhéennes. Bon, ben on va garder les armes prométhéennes. Je pense que c'est ce qu'il y aura... C'est ce qu'il y aura de plus pratique à l'heure actuelle. Hein, puisque de toute façon, on est chez les prométhéens. Dégage. Toi tu es en bas, moi je suis dessus en haut, mon ami. Portail ouvert. T'as vu ça? Ils se prennent pour Naruto, les gars. T'as vu comme ils se déplacent? Aïe. Du balai. Voilà, il se promettait un. Donc ma sentinelle les occupe, moi je cours. Et voilà. Où êtes-vous? Le didacte dissimule le recomposeur. Bah oui, le recomposeur, il est pas bête non plus. Hein. C'est quand même un forerunner, c'est des gars qui ont créé les Halo et des gars qui ont créé une planète, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est quoi ces trucs? Voilà. Mission. Retenez-les pendant que je trouve le recomposeur. Occupez-les, t'es gentil, toi. T'es gentil, mais bon. Bon, où est-ce qu'ils sont? Allez, ma petite sentinelle, vas-y. Ah, headshot en plein vol. Tac, ça vous apprendra, saloperie de rampant. Ça explose, ça? Ça y est, je contrôle les tourelles de défense locale. Défense locale, quoi? Ah, ça m'aide maintenant. Tant mieux. Une fois que j'ai un truc qui m'aide et qui ne tire pas dessus, ça change. Qui a tiré une grenade? Il y a un... Ah!
Il y a des Prométhéens. Tu vois des Prométhéens. Mission. Voilà. C'est bon, Cortana, ou... Dépêche-toi, Cortana. Donc c'est ça, je peux les tenir, mais s'il arrive une armée comme ça de chevaliers prométhéens, je vais pas pouvoir s'avancer comme ça. Alors dépêche-toi, mon ami. Aïe! À quoi elle sert cette tourelle si je prends des ennemis comme ça? Wow, 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 wow! Ah oui, d'accord, ils étaient là-haut. Putain. Oh, décidément! Ça a fait trop de fails déjà en une partie. Oui, oui, bah retenez-les, retenez-les. C'est gentil, Cortana, mais... Encore. Voilà, c'est plus simple comme ça en fait. Voilà. Ah, les restes d'un rampant. Ça y est, je contrôle les tourelles de défense locale. Ça. Je vais invoquer ma tourelle cette fois. Ah mais... Je te récupère. Voilà, madame. Génial. Alors. Eh ben, on court. Allez. Ah. Allez, dépêche-toi. Ne t'arrête pas. Ouais. Ouf. Donc si j'ai bien entendu, elle a dit que le recomposeur était ici, hein. Enfin, il a pas l'air si j'en prends l'objectif. On y va comment? Ah oui, il est là. Monte charge au bout de cette rampe. En calculant bien notre élan, on devrait y parvenir. Attends. Elle vient de dire notre élan, elle veut que je saute là, sérieux? Bon, d'accord. LOL, mais n'importe quoi, regardez. C'est plus un élan là, il vole le Spartan. Je sais. Oh là là. Oula, il se prépare à tirer. Regardez la lune et la terre. Attention, je détecte un glissement du sous-espace sous le recomposeur. Il est en train de l'activer. S'il est en train de l'activer, on va l'empêcher. On va tout faire sauter. Allez, vite. Alors, des munitions, je veux bien. Merci.
Il est là, regardez. Le didacte est ici. Nous pouvons encore l'arrêter, mais l'ogive ne servira à rien si je le désactive. Trouvez-moi un terminal. Je vais devoir faire une chose que vous n'allez pas aimer. Hein? Que venez-vous de faire? J'ai inséré mes accès de frénésie dans le système du vaisseau. Si nous recommençons dans chaque canal, les données submergeront les boucliers du recomposeur. Ah bah c'est pas mal, si elle peut transférer sa frénésie sur les terminaux, ça veut dire qu'elle devrait s'en sortir, c'est bien. C'est une bonne nouvelle ça. Pourquoi elle dit que je vais pas aimer? Bah, ou alors c'est moi qui ai rien compris, hein, je sais pas, mais... Ah, c'est définitif, j'aime vraiment pas ça. Toi tu récites une personne. Voilà. Et voilà. Non vraiment, c'est pas un peu. Activez le pont de lumière. Je t'en prie, active le pont de lumière. Hop là. Voilà. Et hey. Oula. Je vais pas être sollicité, évidemment je n'ai plus de munitions, c'est génial. J'ai intérêt à faire attention à mes tirs. Voilà. Ah non hein. Voilà. Bien joué. La sentinelle a détruit la sentinelle ennemie. C'est très très bien. Apparemment il en reste plus qu'un. Alors, d'être ok. Je recommence. Ça a l'air de ok. Maintenant, avant que le didacte n'envoie des renforts. Allez, je vais faire ta frénésie. C'est bon. Ça marche. La lumière là, et si j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Vous avez vu la musique épique? Tout ça pour dire, allez, c'est la dernière ligne droite, vite, vite. Major, ton vaisseau est à portée. Faites vite pour faire toucher du feu. Ah, ton vaisseau est à portée, Skir. Bah ouais, mais c'est bien marrant, toi, mais c'est pas toi qui a planté ton éclair, ma grande, hein. Je vais faire vite, mais. Allez, cours, 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 cours. What the... Allez, cours. Ouais. Yeah, on était un merde, crevé. Ah mais... Bien visé, putain, c'est vraiment pratique. Ok, c'est bon, j'ai compris, vous visez mieux avec les grenades prométhéennes que moi, d'accord, ça va. Major, ton vaisseau est à portée. Faites vite pour faire le bouclier désactivé. Se calme, dégage. Oui, ça se calme.
valable pour toi aussi. Allez, cours, Forrest, cours! Cours! Ah! Non! Oh non! Putain, j'y étais presque! Juste devant, ça c'est vraiment rageant. Bon, allez, je fais un peu plus attention maintenant parce que il s'agit pas de mourir toutes les deux minutes à la fin. Ah merde, j'avais plus de temps. Major, ton vaisseau est à portée. Faites vite pour placer le gîte ou pas le bouclier désactivé. Il n'avait pas des munitions, lui? Oh, ça ne sert à rien. Il sert vraiment à rien à part à emmerder le monde. Allez, maintenant, je vais continuer, amuse-toi. Ah. Facile de leur enlever le bouclier que leur Alors cette fois on fait attention aux grenades, hein. Je me fais pas avoir comme tout à l'heure. Oh non, je ne crois pas. Voilà. Allez. Bouge-toi avant qu'ils se mettent à tirer. Voilà. Il est. Oui, c'est téléporté. Oui, il est. Hop. Ouais, tu veux invoquer des tourelles. Moi aussi, je peux invoquer des tourelles, tu vois. Je peux même te tuer. Et il y en a pour toi aussi, ne t'inquiète pas. Et il y en a pour toi aussi, ne t'inquiète pas. Et enfin, il y en a pour toi aussi. Ah. Pouf. Oh, j'y crois pas, une grenade comme ça les a pas tués. Lui il a un bazooka. Allez. Ah. Putain. Ah, ça m'énerve. Parce que ces grenades en fait ça tire 4 grenades qui vous voyez, elles ricochent. C'est. Ah non. Ah, j'y étais presque là. Bon allez. Allez, c'est la dernière ligne droite. Et après, le didacte sera vulnérable. Et le dernier avec son bazooka. On va y aller comme ça, ce sera mieux. Voilà. Allez, vas-y, Cortana, décharge ta frénésie. Et pourtant, regardez son armure comme elle est. Vite, vite, dépêche-toi. Cortana.
Apportons la bombe et faisons nous exploser avec, j'imagine. Ah non, vous, c'est pas le moment, hein. Il est en train de recomposer toute la Terre et c'est pas le moment de venir m'emmerder. Allez, dégagez-les. Je vais où? D'accord. Allez, c'est parti, les amis. L'affrontement final avec le didacte. Le côté obscur de la force. Encore utiliser la force, j'imagine. Vous persistez après votre propre défaite. Allons-y. Guerrier, qu'on en finisse. Vous faites fausse route. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça ? À servir l'humanité, c'est lui rendre service. Votre compassion pour l'humanité est inutile. Je ne fais pas ça pour l'humanité. Allez. Allez, John, c'est le moment. Il faut en finir. Les amis, regardez bien. Le dernier des Forerunners. Eh bien, nous allons tuer le dernier des Forerunners. Les gens qui ont créé Halo. Les gens qui possédaient la technologie la plus avancée de l'univers. Nous allons tuer le dernier Forerunner. Allez, monte. Et voilà les amis, voilà, regardez, on a vaincu le didacte, les Forerunners sont morts, et maintenant bah, il ne reste plus qu'à faire ce que nous devons faire pour sauver la Terre. La séquence de fin. Cortana. Cortana, vous m'entendez? Cortana, répondez. Ne me regardez pas comme ça, on dirait que vous avez vu un fantôme. Mais si on est ici? Ça a marché. Vous avez réussi.
comme toujours. Comment on ressort d'ici ? Je ne vous accompagne pas cette fois. Quoi ? La majeure partie de moi est là. J'ai tenu le temps qu'il fallait pour vous faire sortir. Non. Ce n'est pas... Nous partons ensemble. C'est trop tard. Je ne vous laisserai pas ici. John. J'ai attendu ce moment si longtemps. Ma mission était de vous protéger. Nous étions censés nous protéger l'un l'autre. Et on a réussi. Cortana, je vous en prie. Attendez. Voilà les amis, malgré tous nos efforts, Cortana s'est sacrifiée pour nous sauver. On n'a pas pu sauver Cortana. Cortana qui nous avait été confiée au tout début de Halo 1, avec pour mission de la protéger. On a échoué. Ça c'est la classe. Je peux me joindre à vous ? Bien sûr, commandant. Repos, Major. Vous n'avez pas à m'appeler commandant. Elle est belle, non ? Je la vois pas assez, à mon goût. J'ai grandi sur New Harmony. Je suis allé à l'école militaire de Corbulo. J'ai vu la Terre qu'à l'âge adulte, mais... Mais ça reste ma patrie. Vous êtes pas bavard, vous. Major, j'imagine pas ce que vous ressentez. J'ai perdu des proches, mais j'ai... J'ai jamais vécu ce que vous traversez. En tant que soldat, notre devoir est de protéger les hommes. Coûte que coûte. Vous parlez comme si les soldats n'étaient pas des hommes.
Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des humains. Je vous laisse à vos pensées. Elle disait la même chose. Nous ne sommes pas des machines. Et voilà, les amis, notre aventure sur Halo 4 est terminée. Il y a un premier pas au début de chaque grand voyage. Nous venons de faire ce premier pas. Merci de nous avoir confié l'univers qui vous est cher et d'avoir vécu cette grande aventure avec nous. 343 Industries. Eh oui, cette aventure est terminée, les amis. Nous avons sauvé une fois de plus la Terre, cette fois-ci de l'attaque des Forerunners. Mais le prix à payer a été très cher puisque Cortana n'a pas survécu. Donc écoutez, j'espère vraiment que ce Let's Play vous a plu. Pour ceux qui n'ont pas regardé celui de Fable 3, je vous invite, si vous aimez les jeux un peu, les jeux de rôle, les jeux d'aventure, avec un humour un peu décalé, pas trop sérieux, je vous invite à regarder le Let's Play sur Fable 3. Et donc normalement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, on est mercredi, donc n'oubliez pas demain de regarder la vidéo annonce que je ferai, avec notamment les grandes informations sur la chaîne et la divulgation du nouveau jeu que je ferai en Let's Play. Et voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers d'Halo, j'espère que vous avez apprécié ce Let's Play et que le résumé que j'ai fait dans le premier épisode a suffi à ce que vous compreniez un peu ce qui se passe. Et j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir les autres opus, voire de jouer à celui-ci. Pour ceux qui connaissent déjà l'univers et qui connaissent même le jeu, j'espère que cette aventure vous a plu également, hein. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer maintenant les crédits, je vais vous laisser admirer la petite séquence de fin. Et puis voilà, je vous dis donc à demain pour la vidéo annonce, et puis à très bientôt pour de prochains épisodes. En cette heure, la victoire a un coup de défaite. Je me demande pourquoi. Nous sommes Forerunners, les gardiens de tout l'univers. Nos soins attentifs ont permis à la galaxie de mieux s'enraciner. Là où la vie existe, la sagesse de notre longue histoire a nourri les sols. Notre force est un soleil lumineux vers lequel se tournent toutes les intelligences. Un abri impénétrable, sous lequel ils ont pu s'épanouir. Je me présente à vous. Accusé d'avoir assuré l'ascendance des Forerunners. D'avoir tenté de nous épargner ce destin qui nous oblige à nous éteindre. À céder. L'humanité représente une menace pour la galaxie. Refuser leur éradication est une grave erreur. Nous éclairons les ténèbres, mais ils prennent nos triomphes à leur compte. Les Forerunners détiennent le manteau de responsabilité. Il leur appartient à eux seuls. Jugez mes actes à votre guise. Mais ne doutez pas de la réalité. Le dépositaire est déjà à l'œuvre. Et nous ne pourrons pas l'arrêter.